Déjà, on s'est basé sur l'équipe d'animation, on s'est basé sur des journées thématiques le jeudi, donc avec des pays pour chaque tranche d'âge, et on a le même pays pour toutes les tranches d'âge, donc c'est une journée sur un pays pour toutes les tranches d'âge. Et donc tous les jeudis, ce sera ça pour le mois de juillet. Après, moi, personnellement, je suis pas là le mois d'août. Donc, je sais pas trop comment ça se passait. On a prévu beaucoup de jeux extérieurs parce que je pense qu'il fait chaud, que les enfants ont besoin aussi d'évacuer l'année scolaire, ce qui s'est passé avec le confinement, etc. Donc, je pense qu'ils ont besoin d'évacuer et d'extérioriser aussi tout ce qu'ils avaient en eux. Les autres activités, beaucoup d'activités manuelles pour aussi leur apprendre à faire différentes choses, des choses qu'ils font actuellement en année scolaire. Puis, c'est à peu près vraiment axé sur eux et sur ce qu'ils ont envie de faire. On leur propose beaucoup, mais c'est aussi eux qui sont acteurs de ce qu'ils veulent faire pendant l'été.